Là, on commence à rentrer dans le concret, dans ce qui fait la vraie forme et la force de ta vidéo, dans ce qui fait ce qu'est cette magnifique plateforme qu'est YouTube et ce qu'est ce grand monde un petit peu trop dense qu'est Internet. Et rentrons tout de suite dans le vif de celui-ci, en essayant de savoir si tu dois tout de suite te confronter à l'actualité ou non. Car en soi, cela est la base de n'importe quel créateur, de n'importe quel vidéaste sur cette plateforme. Et c'est certainement l'une des premières questions qui va te traverser l'esprit pour savoir si c'est une bonne idée de parler de telle ou telle thématique et de telle ou telle manière. Mais cela fait partie du mois précédent. Dans ce choix doit résider simplement une question. Une question fondamentale qui est au centre d'un débat éternel sur la toile, car l'actualité est en soi un bon moyen de percer sur le papier, mais également il est indéniable qu'il s'agit d'une fenêtre qui se fermera rapidement au fil du temps et qui restera, entre guillemets, très peu de temps dans les esprits des gens. Si ce n'est, si cette actualité perdure et devient quelque chose de répétitif. Attention, je ne dis pas qu'on doit être répétitif. Je dis que malheureusement, aujourd'hui, l'actualité a cette fâcheuse tendance à se répéter. L'idée ici, pour prendre l'exemple du cinéma, est de savoir si tu dois être, comme beaucoup de youtubeurs sur ce genre de sujet, c'est-à-dire parler uniquement de ce qui est brûlant, pas de grand-chose d'autre. Ou si tu dois essayer, comme c'est un peu l'autre cas avec certains youtubeurs ayant fait partie de la première case, de parler de sujets plus vastes et donc peut-être moins ancrés dans l'actualité, mais plus à même d'être pointé du doigt avec le temps. Par exemple, est-ce que c'est plus important selon toi de parler uniquement de X-Men Dark Phoenix? Ou est-ce qu'il faudrait revenir avant tout sur la saga pour mieux comprendre le film qui sort? L'un est dans l'actualité, l'autre revient sur quelque chose de passé, et donc potentiellement de moins lucratif en termes de vues, mais de meilleur en termes de visibilité sur le long terme, et là réside la véritable question, autour de actualité ou non. Le tout étant de savoir simplement si tu veux te démarquer de la masse ou te différencier de la masse, chose extrêmement différente. La différenciation de la masse se fera par une manière d'aborder le sujet qui détonne et qui fera de ton instant à court terme quelque chose que les gens auront envie de regarder, que les gens choisiront plus qu'un autre pour la simple et bonne raison que tu auras trouvé le bon geste et la bonne manière. La démarcation se fera peut-être simplement par un choix de thématique et de relief que tu lui apporteras qui fera que l'on aura envie de regarder ta vidéo et de se dire qu'elle n'est peut-être pas totalement dans l'actualité mais qu'elle a un sens qui te permettra de la comprendre avec le temps et de peut-être lui donner un peu plus de relief au fil des films que tu regarderas, des musiques que tu écouteras, de ce que tu apprendras avec le temps. Bref, une vidéo qui aura un impact futur mais qui sur l'instant soulèvera surtout des questions et c'est cela réellement qui est intéressant. Une fois ces sujets mis en place et le tout un petit peu planifié comme tu peux te l'imaginer, il va falloir se demander si ces sujets, aussi brûlants dans l'actualité ou non soient-ils, doivent être traités avec sobriété ou avec amusement.